Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo rapide sur le changement de shaft sur mon bois 5. Je m'apprête à mettre celui-là, un régular, un speedster dessus. Et je voulais juste vous montrer une petite erreur que j'ai faite pour vous éviter de faire la même. Donc j'ai déjà commencé par acheter un adaptateur mais de driver qui ne ressemble pas du tout au même, donc au moins comme ça, ça c'est cool, ça sert à rien. Et après j'ai acheté lui, sauf que ce que je ne savais pas c'est que sur ces petites choses il y a un endroit où c'est écrit LH ou RH, et quand vous êtes droitier et que vous achetez un truc comme ça où c'est écrit LH, et bien c'est pour gaucher, donc celui-là aussi il sert à rien, et j'ai fini par en acheter du coup un troisième. C'est l'adaptateur qui a fini par me coûter le plus cher au monde, mais c'est pas grave, ça y est j'ai le bon, donc je vais pouvoir mettre lui sur lui tout en alignant l'arrière, donc les marques avec l'arrière de lui qui est donc pas sur le standard mais qui est sur le upright, comme ça. Un petit coup d'époxy spécial golf en 24 heures. On va coller, on va laisser toute une journée. Et puis voilà, mais voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Quand on est ici et qu'on tourne dans ce sens-là, dans un sens, on passe de moins 1, moins 2, en up, 3 up, moins 2, moins 1. En standard, ensuite quand on tourne, voilà, on vient plus 1, plus 2. Et quand on est en left right, en left handed, donc en gaucher, quand on est en standard, et on est comme ça, on fait moins 1, moins 2, au lieu de plus 1, plus 2. Voilà. Bref, ça tourne à l'envers, vu qu'il y en a un qui est pour un gaucher, l'autre pour un droitier.